Yo les potes, c'est une nouvelle boutique du 15 juin 2021. Alors déjà on a le pack des revêtements nuageux, donc le nuage doré qui existait déjà, qui était en saison 7 et qui était ultra rare. Ils ont rajouté nuage d'argent, donc qui vient de sortir aujourd'hui, et nuage d'onyx qui vient de sortir aujourd'hui. Et en fait ce revêtement de base était tout seul, je sais plus à quel prix, peut-être 600 V-Bucks, j'en sais rien, ou 500 il me semble. Et en fait sur la vidéo de l'étoile noire, j'ai vu qu'il avait déjà cela. Alors qu'ils viennent tout juste de sortir et j'avais pas compris, mais en fait c'est très simple, c'est parce que c'est un pack et du coup maintenant ce revêtement vous pourrez plus l'avoir tout seul, vous serez obligé d'avoir les trois. Donc bref, voilà. Comme ça je mets les choses au clair. Le signe grimoire au prix de 1500, que je trouvais stylé de base mais que j'aime plus du tout. Faux d'abandon, je pense celle-là elle est vraiment stylée. Le délirium au prix de 1500, qui est un sac à dos stylé, sinon le skin pas ouf. Bâton de subjugation, ok, pas mal. Le pack Galaxy, ok. Le casier de Piso. Comme je vous l'avais déjà dit, tous les casiers de YouTubeurs vont revenir. Donc s'il y en avait un que vous aimez bien, ils vont tous revenir. Le signe désordre, ok. La guitariste. La nouvelle danse Eureka, qui est vraiment pourrie. Marche tranquille. Honda Honda. Main de jazz. Et c'est tout. En bas, on a toujours DC Comics. Et nouveauté, les gars. Le starter pack que je vais m'acheter tout à l'heure. Honnêtement, c'est l'un des plus moches starter packs qu'ils aient fait. La pioche, elle est originale, mais pas ouf. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ce code créateur NSU dans la boutique Fortnite. Ciao!